Salut, Captain Medoc à l'appareil. Aujourd'hui, je t'embarque pour une expérience un peu stressante. C'était un vol du soir, sans ambition particulière. À mon grand regret, il y avait presque plus de nuages dans le ciel, et je prévoyais une simple boucle en partant vers le nord-ouest. Comme prévu, c'est un vol sans histoire. Tous les nuages de l'après-midi sont en train de se désagréger. Il commence à faire froid et je sens que je ne tirerai plus rien de cette journée. Je décide de faire demi-tour. Mais j'identifie une drôle de ligne de nuages un peu plus haut. Elle est très fine et me semble étrangement rectiligne. Je me dis que voler le long de cette fine barre de nuages, ça sera forcément une expérience insolite. Une fois sur place, ces nuages se présentent comme une longue et très fine bande horizontale, et je décide de la longer par la droite. Tout est calme et la vue est impressionnante. D'habitude, quand on vole un peu haut, on a l'impression de ne pas avancer, parce que le sol est très loin et qu'il défile très lentement sous nos pieds. Mais là, avec les nuages à quelques dizaines de mètres de moi, j'ai la même sensation de vitesse que si je volais à proximité d'un relief. Je ne m'en lasse pas. Je vole en palier le long de cette route de nuages, perdu dans la contemplation de cette vue insolite. Un peu détaché de mon plan de vol, qui était d'atterrir car il était censé faire froid et la fin du vol était censée ne plus rien apporter d'intéressant. Je décide d'étendre la perche de ma caméra pour essayer de varier les perspectives et je poursuis mon vol en palier, toujours à quelques dizaines de mètres de cette fine couche nuageuse. Sans me douter que cette très satisfaisante configuration nuageuse ne serait pas la dernière des surprises que ce vol avait en réserve. Alors que, très intelligemment, je m'amusais à atteindre le bord d'attaque de ma voile avec la perche de ma caméra,
vient du sud-ouest et ça rend l'approche un peu plus délicate que d'habitude. Là, je dois survoler le village avec ses maisons, ses arbres et ses fils jusqu'à l'entrée du terrain. Et bien sûr, je ne peux pas compter sur mon moteur pour refaire une approche en cas de mauvais calcul. Comme tu peux le voir, c'est pas la courroie qui s'est cassée ou qui se serait désolidarisée d'une des deux poulies. Mais non, c'est l'axe de transmission qui s'est brisé à l'endroit où il sort du moteur. C'est donc l'embrayage et la petite poulie qu'on a vu partir sur ces images. Après avoir rebondi sur le pot d'échappement, la boîte à air puis mon hélice, l'ensemble est tombé au-dessus d'une zone de vignes et de forêts. Mais maintenant, comment est-ce que ça a pu se produire ? Ici, le fabricant ou la qualité des matériaux ne sont pas en cause, car mon moteur a bientôt 3 ans, plus de 200 heures de vol, et il a surtout connu deux incidents majeurs qui pourraient être à l'origine de l'épisode d'aujourd'hui. Le premier, j'ai cassé mon embrayage, il y a quelques mois, à cause d'une courroie trop tendue. On a changé l'embrayage, mais la tension excessive exercée par la courroie avait peut-être déjà fragilisé l'axe de transmission. Puis, deuxième incident, c'est ma chute au printemps dernier, où j'ai dû faire secours suite à une rupture de suspente. Lors de cette chute, j'ai plié mon châssis, mais le choc a très bien pu lui aussi fragiliser l'axe de transmission. Je suppose qu'au lieu de remonter directement mon moteur sur un nouveau châssis, j'aurais dû lui faire subir une inspection complète. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé cette fois-ci. Mon équipement est retourné chez le fabricant pour une remise en état, et pas mal de pièces ont été changées. J'en profite enfin pour remercier Air Conception pour leur réactivité et la remise en état de mon moteur. Je suis ravi de pouvoir bientôt voler à nouveau avec mon Tornado. Mais je dois avouer que je lorgne déjà sur son successeur, un modèle qui devrait sortir dans quelques mois et qui est annoncé comme encore plus fiable et performant que le Tornado d'origine.